Bonjour à tous, je profite du début de cette vidéo pour vous rappeler que 70% des gens qui vont regarder cette vidéo ne sont pas des abonnés. Alors pense à t'abonner, à mettre un like et un commentaire pour nous soutenir. Nous, on bosse à fond sur le film et on va essayer de vous proposer d'autres vidéos de ce style afin de vous donner des nouvelles. Bon visionnage! T'expliques le principe de la vidéo ou je le fais? Non, je peux le faire si tu veux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dégustation en couple. Ah! Bonjour à tous! Donc, nous revoilà pour vous montrer notre tout premier court-métrage. Comme ça, vous allez pouvoir voir dans quoi vous allez donner de l'argent. Ça, c'est un putain de calme. Je veux mon fric, merde. Et celui-là, c'est notre premier film live. Voilà, donc il y a nos têtes, on est acteurs dedans, avec tous les problèmes que des enfants de 11 ans qui s'amusent avec une caméra peuvent faire. Je pense que ça vous fait rire de voir nos vieilles têtes et de voir comment on se débrouillait à l'époque. Et comment on a évolué maintenant, quand vous verrez le film La Marche qui va sortir. D'où on vient et qu'est-ce qu'on est devenu, je pense que ça peut être intéressant. On va commencer par la bande-annonce de ce film qui s'appelle Alien vs Predator Génération. 22 août 2011. Donc on va regarder ça avec vous et... j'espère que ça va bien vous faire. Donc on avait mis la petite musique dramatique. Parce que j'avais déjà un goût particulier pour les musiques épiques et la dramatisation des trailers. C'était... Vous noterez quand on maîtrisait la caméra, le grain. Non. L'Elo 3DX. Ne tapez pas ça sur YouTube. Vraiment. Allez, salut à toutes et à tous, c'est l'Elo 3DX. Mississippi Thomas. Dédicace à lui. Le slogan du film était fameux. Sur Terre, tout le monde, alors là vous voyez que cette police a été rajoutée au dernier moment, vous entend crier. Alien vs Predator. Alors là il faut savoir que vraiment c'est juste le titre de Alien vs Predator, donc le jeu vidéo. On avait modifié les couleurs pour faire passer ça en mode ouais c'est nous qui l'avons fait et tout. Qui sait peut-être qu'un jour, là parce que là on regarde ça, on est en mode ouais on regarde notre premier court métrage. Donc un jour on regardera le trailer du film à la marche. 2000 years later. Qu'est-ce qu'on avait l'air cool. Qu'est-ce que c'était dégueulasse quoi. J'avais déjà un goût particulier pour les musiques épiques et la dramatisation des trailers, c'était... Je vous jure, j'ai envie de chialer. Mais du coup, on va passer sur le vif du sujet. Le film, le long métrage de 11 minutes. Wow. Là, je commençais à avoir un peu de skill sur After Effects. J'avais 10 ans quand j'ai fait ça. Et j'ai fait ça avec After Effects. Et du coup, c'est vrai qu'en vrai, je suis fier de ça, franchement. C'est déjà plus chaud que moi au montage. Hein. Alors, vous allez voir le nombre de Lambert. Il y a des Lambert et des Laurent, en fait, parce que on a toujours eu ce côté très familial. Donc, à chaque fois, on arrive et on fait Hey, t'es chaud, cousin? On fait un court métrage. Et vraiment, la marche, on est arrivé, on a fait Hey, t'es chaud? T'es chaud, on fait un film. On a fait un film. Voilà. Ça, pareil, on adore, et c'est un truc que vous verrez dans la marche film, on adore les introductions comme ça. Qui présente l'équipe technique, qui fait très série en fait, avec toute l'équipe, une musique un peu badass, qui fait générique de série en fait, on adore ça. Et du coup, j'ai eu extrêmement peur. Oh merde. J'ai eu extrêmement peur. C'est l'éclairage qui s'est pété la gueule. Oh, putain. Les joies du direct. Hein. Spéciaux. J'ai rien à dire là-dessus. C'était parfait. C'était l'époque d'After Effects et Movie Maker. Mais on faisait beaucoup de films d'animation et du coup, en fait, on avait décidé de faire l'intro du film en film d'animation. Donc, pour vous expliquer le contexte, il y a des prédateurs sur leur vaisseau et il y a un alien qui vient les péter en vie. Ils arrivent sur la Terre, attention! Ça explose. Ce qui est fou, c'est que dans le film, il y a que nos trois personnages qui s'en rendent compte de ça. Qu'il y a des aliens sur la planète. Mais vraiment, il y a un putain de vaisseau. Genre, le plan, il est depuis genre un satellite. Le truc, et personne ne le voit. Et bien, il n'y a pas un truc qui s'est passé. Là. Vous allez voir, il y a vraiment que nous qui sommes au courant de ça, quoi. This is fine. Donc, ça, c'est notre cousin Thomas, encore une fois dédicace à lui, qui regarde quelque chose. On ne sait pas ce qu'il regarde. Littéralement en stop motion, figurine que bougeait sur fond vert, on l'a rajouté, on l'incrustait dans le plan pour donner cet effet du prédateur un peu invisible. On ne le voit pas trop d'ailleurs, on ne le voit pas trop. Voilà, on le voit pas trop. C'est fou. C'est surtout avec la qualité pourrie. Beaucoup d'efforts pour quelque chose qui se voit pas beaucoup. Ouais. Nous voilà. Je sais pas du tout qui je suis.
Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Moi, je dirais que celui-là, je pense que celui-là, de souvenir, je buvais oui, ce verre d'eau. Oui, t'es là. Et là, c'est Loïs. Voilà. Et voilà, on était beau, hein. Ah, on avait les cheveux longs. On va le refaire. Les cheveux longs, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Je vais le refaire. J'ai vu un truc incroyable sur le chemin des fontaines. Le chemin des fontaines, l'accent du sud. Ah la non, première bon, réplique de Léo. J'ai un air insolent dans ce film que je ouais, déteste. Ça j'ai vraiment l'air, mais constamment d'un petit con. Je suis là, sans déconner, on t'écoute. Wow, tu rentres enfin de ta balade. Je suis vraiment une connasse. C'est vrai, c'est au personnage, est une connasse. T'as voir que dans cet endroit précisément, donc, qui est de notre ancienne maison, on a fait à la fin de la marche le film. On est tous ronds comme des pastèques. Donc dans cet endroit où il y a précisément cette table. On a fait une remise des Oscars. Mesdames, mademoiselles, monsieur. Ouais. Il y a un mec qui a fait ça. Vous avez participé à un film. Ouais. Vous allez vous voir décerner un petit Oscar. Pour sa performance en tant que chien. C'est bon, je pose Martini. Bravo ma couille, bravo. Génial, exceptionnel. Dans cet endroit là, donc cet endroit est chargé de souvenirs. Ah ouais. Voilà, vous êtes content de savoir ça. Non mais arrêtez de déconner les mecs, c'est incroyable, c'est pas possible. C'est vrai que t'es insolent. Franchement je suis une grande vérité. En tout cas, moi je crois ce que je vois. Okay. On bégayait un peu, on avait 11 ans. Des gros lézards à la sale gueule qui te sourit jamais. Ou alors ils ont un sourire en lieu de la con. Ah, je connaissais celle-là. Bon, les mecs, on va aller sur le chemin des fontaines. Ah, le chemin des fontaines. J'ai trouvé tout ce que j'ai. Le monteur, allez, oh, quand même, tu faisais des belles intro, mais le monteur il était un peu grand à chaque fois. Les mecs, vous êtes sûrs de ce qu'on raconte? Ah, on avait pas de micro, père. Drama dans la villa. Ah, drama dans la villa. Là, c'est là. Bon moment de suspense. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Oh non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Musique dramatique, toujours. Alors là, voilà, c'est merveilleux comme effet spécial, c'est merveilleux. Moi, c'est la question que je me demande, on avait pris si on avait fait le parti pris de ne pas montrer le vaisseau étant donné qu'il est invisible. Imaginez juste le plan d'avant sans le vaisseau. C'est nul. Regardez, attendez. Bah, regardez cette vision thermique, c'est... avec l'écran du Predator et tout, c'est énorme. Le temps que ça a dû prendre pour un petit de 11 ans, il faut aussi vous dire. Ça aussi, hein. Le goût de se casser les couilles. Regardez cette magnifique course. Regardez ça, c'est magique. C'est cette terreur. Alors, on va prendre l'activité. Vous avez vu le bras de Louis? Donc là, c'est pépite. Là, ce qui se passe, on était quand même à l'époque, et il faut le dire, bien plus des gangsters que maintenant. Voilà. On se permettait de mettre des M4. Ouais. Des gangsters. Regarde ces gangsters. D'accord. Celui-ci est chargé. On peut prendre une petite arme chacun. Celui-là il est chargé. Celui-là aussi. Et ça, c'est un putain de calibre. Ça c'est littéralement la meilleure réplique de l'histoire du CMA. On est aux États-Unis, clairement, le fusil à pompe, je le manipule comme si j'avais fait ça toute ma vie. Loïs, le putain de calibre, il le connaît, il a eu ça dès la poussette dans ses mains. C'est exceptionnel comme ça. La suite du film, c'est nos personnages qui vont envahir le Capitole. Attention, là c'est la séquence effets spéciaux qui va vous dire tout de suite. Voilà, ça c'est bien. Voilà, regardez, boum. Damien est mort. Et le sang était vert. Fidélité au film. Voilà. 50 millions d'euros, ce plan. C'est génial. Ah, c'est bon. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi toutes les armes. Ah oui, si je vois. Ah, oui. Voilà, toutes les armes, les gros plans, et voilà. Du sang acide. Dès qu'on y voit. Comment on fait les voir? Comment on fait pour le tuer? Comment on peut? Voilà, c'est la conclusion dans le texte. Comment on fait pour les tuer comme on peut? Bon, perso, il a des répliques, c'est incroyable. Alors là, le décalage sonore du coup de feu, voilà. Ce coup de feu n'est pas censé être là. C'est juste que sur Movie Maker, j'arrivais pas à le décaler. En fait, il doit être là, voilà. Du coup, il y a deux coups de feu, il y en a un que j'avais pas réussi à caler. Ce qui est fou, c'est qu'on nous voit à peine. Vous avez qu'à savoir lire sur les fesses. Là, vous avez entendu, là, tout ce qu'on a entendu, enfin.
Parce que quand même, les prédateurs sont toujours là. Nos personnages s'en foutent. Hein le truc fait plus de bruit que leurs propres paroles, mais eux, ils n'entendent pas. Ces enfants marchent au milieu de la rue avec des armes. C'est personne vrai. Ne réagit. C'est vrai. Le chemin des fontaines, c'est la street. C'est normal, on est sous écrasé, y a pas de souci. Les enfants avec des armes, c'est le quotidien, ça. Actuellement, j'aurais tellement honte de me promener avec des armes à feu comme ça, sur du chemin des fontaines. Mais à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui disait, c'est la guerre ou quoi, etc. Ouais. Au début, on a des boers soft. Ouais. Hein. C'est mal. Fou, quoi. Comment c'est la voiture. La voiture. On va se faire écraser. La tête. Ce qui a dû se passer dans la tête de ce conducteur. Noni. C'était malade. On arrive à la dernière partie du film. Une belle leçon de morale. Alors attends, faut expliquer. En gros, la stratégie militaire, la stratégie absolument génialissime que nos personnages ont dans la tête, c'est de se cacher derrière ce buisson. Et la prochaine fois que vous avez un problème, pensez au buisson. Vous verrez, vous me remercierez. Oh, d'accord. C'est le bruit du prédateur. Attention. Le film finit sur une tragédie. Une tragédie grecque. Fin de la première partie. Le pauvre personnage de Louis, de dos au buisson, s'est rendu compte que sa stratégie militaire n'était pas vraiment bonne. En effet, le prédateur l'a vu derrière ce buisson. Oh my god! Wow! Alors, est-ce que tu as une conclusion à dire au sujet du film? Donc maintenant avec ton recul... N'empêche, c'était quelque part notre premier vrai film en live, parce qu'avant on faisait beaucoup de stop motion. C'est là qu'on a commencé à tenir des caméras, à écrire réellement des scénarios. Donc ce que vous avez vu là, c'est quelque chose qui a marqué notre main très important. Quelque part, je suis très fier de ça. C'est pas notre premier projet cinématographique, mais c'est, c'est le projet cinématographique. Le film, le premier, qui quelque part nous a vraiment lancé dans ce monde-là, sur lequel on a décidé de suivre notre voie. Sur laquelle on va la suivre le plus loin qu'on pourra. Quand on avait 11 ans, quand on l'a sorti, on était au collège. Et donc c'est une période dégueulasse. Quand le film est sorti, on a eu surtout énormément de moqueries. Des gens qui se sont moqués, qui étaient « Ah, les mecs se prennent pour des réalisateurs !» Et nous, à l'époque, le pire, c'est qu'on l'avait, mal vécu. Alors que maintenant, je m'en branlerai le cul d'une force. Moi j'ai kiffé le faire. Et puis regarde où on en est maintenant. On fait un vrai film en partant de là. Les gens sont très moqueurs. Mais vous vous en foutez, faites-le, vibrez, kiffez votre truc, assumez ce genre de choses, assumez d'où vous venez, d'où vous commencez, n'ayez pas peur de vous lancer. Donc je pense qu'actuellement on peut mettre un gros cœur sur ce film, parce qu'on l'aime de toute notre force, oui, c'est clair. Alors qu'il y a une époque où on le détestait, et j'aurais aimé arriver à l'époque et me dire, mais frère, t'as 11 ans, c'est génial, c'est génial, c'est ton premier film, tu te découvres. N'écoutez pas les gens, écoutez-vous, faites-vous plaisir. Je pense que c'est une magnifique conclusion. À la prochaine pour une partie 2. Je pense que tout le monde veut voir la partie 2 du film. Eh bien non, parce qu'elle n'a jamais été montée. Ah oui, c'est... C'est con, c'est quand même.